Good morning, allez, d'année, tu seras aujourd'hui le Nishmat Avramon de Chai, Ben Israël, Fanny, David, Ben Fortuna, Mazal Fritna et Dvorah Bat Esther. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étions Messerat, tout votre Perekret, Mishnachet. Lo Yomar la, Arek tu vatich munachat ala shulchan, el a kol nechasa vacharain nek tu bata. Vechen lo Yomar dam nishto, Arek tu vatich munachat ala shulchan, el a kol nechasa vacharain nek tu bata. Geresha, En la ella ktubata. Echezira arei kechol anashim. Ve en la ella ktubata bilvad. Une Mishnah vient conclure le sujet des deux dernières Mishnayot avec la Shomeret Yavam. On avait appris une notion que la ktuba de la Yevama, il faut la payer à partir des biens que le frère défunt avait laissés. Soit Reuven et Shimon, deux frères, Reuven marié avec Rachel, il décède sans enfant, Shimon a le devoir de faire le hiboum à sa femme, à Rachel. D'accord? Maintenant, lorsque Rachel va devenir la femme de Shimon, alors Shimon va devoir lui payer la ktouba. Sur les frais de qui? Sur les frais du frère défunt. Que Shimon, c'est lui qui hérite tous les biens de Réhouven pour payer la ktouba de sa femme. D'accord? Suite à ça, on avait appris toutes sortes de situations, si le frère il a laissé des biens mobiliers, des biens immobiliers, est-ce qu'il faudra racheter et vendre les biens mobiliers pour récupérer de l'argent pour ensuite aller acheter des biens immobiliers, et tout ça. D'accord? Alors sur ça, la Mishnah vient me dit, Lo Yomar là, que le Yavam ne pourra pas dire à la Yevama en lui disant, Avec Ktuvatich Munachat ala Shulchan, viens, je te laisse à ta disposition, ta Ktuva sur la table, prends-la, mets-la de côté, viens, on va. Et laisse-moi utiliser les autres biens. Je finis la phrase, après j'explique un peu mieux. Et la kol nechasa vacharain lektubata. Non, ça marche pas comme ça, parce que tous ces biens, ils sont tous engagés pour payer la ktuba. De même, vechen lo yomar adam lishto, un homme ne dira pas à sa femme, ariktubatich munachat ala shulchan, je te laisse une ktuba posée sur la table. Non, ça marche pas comme ça. Et la kol nechasa vacharain lektubata, tous ces biens, les biens du mari sont tous engagés pour payer la ktuba. De quoi on parle? C'est très simple. On avait déjà expliqué que lorsqu'on met un bien, on engage un bien, on met un bien engage pour une dette. Alors vous comprenez que c'est très embarrassant. Imaginez que, d'accord, je ne sais pas comment c'est dit dans la législation française, on peut écrire une errata zara lorsqu'on achète si je vous emprunte de l'argent, par exemple, je vous emprunte de l'argent, et vous voulez vous assurer quand même que je ne vais pas dilapider tous mes biens, vous voulez avoir une certaine garantie, je vais mettre en garantie mes biens. Alors vous avez la possibilité d'écrire, je ne sais pas comment ça se dit en hébreu, en français, on écrit une erat azara sur mon bien, sur ma maison, vous avez un droit maintenant de saisir telle dette que, genre, vous me bloquez dans ma maison que je ne peux pas la vendre à n'importe qui, sans vous concerter, vous avez un droit d'empêcher la vente de la maison, parce que vous la gardez pour vous faire rembourser votre dette. D'accord? Maintenant, donc, le fait d'avoir des biens engagés, c'est très bloquant, parce que je ne peux pas vendre ma maison facilement, parce qu'à chaque fois, il faut vous lever un coup de fil pour vous demander votre avis, votre aval, est-ce que vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? C'est casse-pied. Du coup, imaginez que maintenant, c'est la même histoire avec un Yavam ou avec un mari face à sa femme. Moi, j'ai plein de biens. J'ai plein de biens maintenant, j'aimerais bien. Là, c'est le bon moment pour revendre les appartements, pour ensuite aller les réinvestir là-bas et pour ensuite gagner plus d'argent. Maintenant, j'ai envie d'avoir une liberté de vendre et de revendre et de racheter sans avoir à me concerter avec ma femme constamment. Parce que si je dois me concerter avec elle, des fois elle va donner son aval, des fois elle va... Tout va traîner à cause de ça. C'est normal, d'accord? Donc du coup, un mari va voir sa femme, ou le Yavam va voir la Yevama, les deux cas c'est la même chose. Il va dire, écoute, pour payer ta ktouva, si jamais en cas de divorce, en cas de décès, je te dois 100 000. J'ai pour 10 millions de biens. Viens, je te laisse un bien, je te laisse tout là, prends-le tout de suite, même si tu veux, et je te laisse à disposition, et laisse-moi la liberté de mouvement pour le reste des biens, pour que je puisse vendre et revendre à ma guise comme je veux. Eh ben non, si l'autre, il s'y oppose, il a le droit de s'opposer, de dire, non, écoute-moi, tu me laisses. J'ai un droit sur tous tes biens, chaque fois que tu veux vendre un bien, tu me demandes mon avis. Il a le droit de le faire, ce que la machine m'a dit, je peux pas le dire, arek tubatir monachat ala shulchan, ta ktuva, elle est posée sur la table. Prends-la, je te les laisse. Pour 100 000, tu ne me casses pas les pieds avec. Tu as tous mes biens à vendre et revendre. Non, elle peut m'en empêcher.
elle est tout à fait dans son droit. D'accord, c'est le principe qu'on a eu dans les deux cas, qu'il s'agisse d'une Yevama ou qu'il s'agisse d'un Yavam. Et voilà. Maintenant, Geresha, une leçon qu'on a vue déjà dans la Mishnah précédente, mais qu'on répète de nouveau. Si jamais le Yavam divorce sa Yevama, alors la Mishnah me dit En la elaktuvata. À partir. Alors, tant que le mari, le frère, Shimon, il a hérité en fait de 5 appartements qui valaient chacun 100 000 lions. 100 000. Il doit que 100 000 à la femme. Tant qu'il est marié avec Rachel, il ne peut pas faire ce qu'il veut avec les appartements, les vendre et les revendre. Il ne peut pas en vendre 3 et en laisser 2, parce que non, elle lui dit non, les 5, je t'interdis de les vendre, tu les gardes à ta disposition, je veux que tu les gardes. Et toi, tu les laisses comme ça, que s'il y a un problème, j'ai plus de garantie. Par contre, s'il la divorce, alors il lui dit, écoute-moi maintenant, je te divorce, prends un appartement pour 100 000, et après, il a le droit de faire ce qu'il veut avec les 4 biens supplémentaires. Gersha en la laktuba. Depuis le moment où elle la divorce, il lui donne que laktuba et ça y est, grâce à ça, il va lever le gage de tous les autres biens. Après, il est libre de faire ce qu'il veut avec tous les autres biens. Par contre, Echezira, si jamais il la reprend en femme, attention, Arei Kechol Anashim, elle redevient, ça prend le même principe que pour toutes les femmes, Ve en la laktubata bilvad, et elle n'aura qu'une seule ktuba uniquement. Alors là, c'est une phrase compliquée. On ne comprend pas ce qu'a écrit, en fait, le partenaire, il explique comme ça. Il explique que il y a une règle. Un homme s'engage quand il marie sa femme, à donner tant et tant en telle situation, et en engageant tant et tant tel et tel bien, et avec toutes sortes de conditions, chacun à sa manière. Si un mari divorce sa femme, et qu'après il se remarie avec sa femme, sans préciser de nouvelles ktouba, il s'engage avec les mêmes conditions qu'il s'est engagé dans la première ktouba. C'est clair? Même principe avec une yevama. Si jamais le mari Shimon il a marié la yevama, il s'est marié, il a vécu 5 ans avec elle, après il a divorcé. Il doit le payer la ktouba. Quand il était marié avec elle, il n'avait que le bien de son frère qui était engagé. Il remarie cette femme. S'il la divorce après, il décide de la remarier finalement. Il préfère la remarier. Il se remarie avec elle, il s'engage le payer la ktouba des mêmes biens qui étaient là initialement, mais pas d'autres biens. Mais s'il la divorce, il devra le payer une seule ktouba. D'accord? Il ne devra pas le payer une ktouba par rapport au frère et une ktouba par rapport à lui. Il payera une seule ktouba à partir des biens que le frère a laissé, selon le même principe qu'on a dit que. Lorsqu'on divorce et qu'on remarie, on se réengage avec les mêmes engagements qu'il y avait, si toutefois on n'a pas précisé autrement. Si on précise autrement, on précise autrement. Mais si on n'a rien précisé de nouveau, alors on repart sur les mêmes bases qu'on avait dans le premier mariage. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.